Attends, attends, j'arrive. Tu veux crever là dehors? Écoute, il y a un camp. Un campement? Je vais y aller. Va à Lost Lake, parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Dis-leur que c'était Saint John, Deacon. Ils savent qui je suis. Continue à courir et te fais pas repérer. J'ai pas encore fini de brûler les nids restants. Je reviendrai plus tard pour finir de brûler les nids. Oh!
Un bidon d'essence. T'en avais bien besoin. C'est bon. Ouais. Ok. Ça les foule. Je vais t'ouvrir. Alors, Bowser, comment ça va? J'ai du boulot. Sur des mauvaises herbes. Arrache-les au passage. Deux secondes, j'ouvre les portes. Hé, hey, Hadi, t'es là? Oui, je suis là. Salut. Bon, ça y est. Je suis passé le voir et je l'ai pas trouvé en grande forme. J'en sais rien. Il m'inquiète, quoi. Ouais, moi aussi. Quand il est passé tout à l'heure, il m'a semblé, je sais pas, en colère, déprimé. Écoute, je vais garder un œil sur lui pour assurer qu'il fasse pas de conneries. Je fais ce que je peux. On verra bien. C'est cool, Dicon. Et t'en seras reconnaissant. Infirmerie terminée. Oh, sniper sur la route, bordel de merde! Bordel de merde, pas maintenant! Ce qui se préparait,
gens m'écoutent. Maintenant, mes réserves s'amenuisent et les gens commencent à crier famine. Wow. Vous vous souvenez de la fable de la cigale et la fourmi? Eh bien, nous autres, les fourmis, qui nous étions préparés au pire, on n'a pas eu le cœur de vous laisser crever la gueule ouverte. Vous, les cigales, qui avez dansé tout l'été, sans vous soucier de ce que l'hiver pourrait apporter. Et maintenant, on en paye tous le prix. Est-ce qu'on va mourir de faim? J'en sais rien. Il y a de moins en moins de poissons. Le gibier se fait rare. Je me souviens plus de la dernière fois que j'ai vu un chevreuil ou une biche. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va pas se retourner les uns contre les autres. Ah, ça, jamais. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Ah, des conneries de conspirationnistes. Tu sais, aux dernières nouvelles, les cigales se sont armées jusqu'aux dents. Et elles ont fait la peau aux putains de fourmis pour leur prendre tout ce qu'elles avaient. Donc si tu veux vraiment parler en parabole, essaie d'en trouver des meilleurs, Cope. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Tire-moi dessus, espèce d'enfoiré! Ça va aller. Tu vas pas t'en sortir là-dehors. Je connais un camp. Où? Où ça? Je vais y aller. Je vais y aller. Va à Lost Lake. Parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Merci infiniment. Et j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Ouais, donne-leur mon nom. Deacon St. John. Ils me connaissent. T'arrête pas. Reste bien hors de vue. Ça m'approche.
Voilà. C'est blessé. Laisse-toi. Ça pourra servir. Ok. Je vais te sortir de là. Tu vas te faire tuer dehors. Je connais un camp où tu seras en sécurité. Non, non, non. Où ça? Je vais y aller. Va à Lost Lake, parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh mon Dieu! Merci beaucoup! Je pensais que j'allais mourir ici. Je m'appelle Deacon, ils savent qui je suis. Non, continue à courir et évite les routes. Dick, laissez-le rentrer. Tu me croiras peut-être pas, mais... On était dans No Man's Land il y a quelques mois. On a aperçu une de ces foutues hordes de mutants. À ton avis, qu'est-ce qui les pousse à se réunir comme ça, une sorte d'esprit de communauté? Ok. Là, c'est notre meilleure chance. C'est pas si sûr, Mike. On a déjà perdu du monde là-dedans. Attends, on a perdu qui? Quand? Il y a 2 semaines. Torres et Evans. Ils cherchaient du matos, je t'ai dit qu'ils... Non, bordel, t'as rien dit! Mais si! On est allé les chercher, mais l'entrée s'était effondrée. Leur moto était dehors, mais la zone grouillée de mutants, tu te rappelles? Je sais même pas s'ils ont pu rentrer à l'intérieur. Un problème? C'est que... On était en train d'examiner les papiers du Sherman's Camp. Il y a une mine qui devait être agrandie là-bas. Ouais, et elle contient sûrement un max d'explosifs. Exact. Sauf que Schizo me dit qu'on pourrait bien avoir perdu 2 hommes à l'intérieur. Hey, j'ai jamais dit ça, Mike. Ok, écoutez. Filez-moi la carte, j'irai récupérer les explosifs. Ok, hey, cherchez vos hommes à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe, peut-être confiance en lui, Mike, mais pas moi. Dis-moi, Tucker paye combien pour une caisse de TNT de nos jours? Je t'arrête tout de suite, il fait sa part de boulot. Ah ouais? Et quoi exactement? À part violer le traité avec les Reapers, tirer au flanc et se prélasser au soleil avec Ricky, il fait quoi, hein? Et toi, tu fais quoi, hein? À part glander en regardant... Arrête ça! Hé, t'as pas confiance? Alors va avec lui. Mais mettez-vous bien une chose dans le crâne, tous les deux! On est tous dans le même camp, ici! C'est bon, ça me va.
Demain matin, on prend les bécanes et on va. Maintenant. Maintenant? Ouais. Là? En plein milieu de la nuit? Ouais. Il fait noir, il y aura moins de mutants à l'intérieur de la mine. Mais ouais, bien sûr. Comme monsieur évite les corvées et passe son temps à poursuivre des hélicos noirs, t'es un expert mutant, c'est ça? Pas la peine d'être un putain d'expert pour savoir que les mutants sortent la nuit, ce qu'ils ont. Stop! Ah, allez, ouais, ça suffit maintenant! Ok. Ok. Tu veux vraiment y aller maintenant? Alors on y va. Mais c'est moi qui garde ça. Nom d'un chien. Hé, hey, écoute, il a ses propres problèmes comme tout le monde en ce moment. Mais il fait son boulot. Va dire ça à Torres et Evans. Dick, j'aimerais juste être sûr qu'il n'y aura pas d'accident quand vous serez tous les deux au fond de cette mine. Putain, Mike, mais pour qui tu me prends? J'essaie de me faire une opinion sur toi. On parlera à votre tour. Bordel de merde. Où est-ce qu'on va? La mine du Vénard, tu sais où c'est? Ouais. Je vais t'attendre! Ouais, essaie de pas te faire semer! Deacon, tu me reçois? Ici le camp de Lost Lake, à toi. Ouais, Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Je suis passé te voir, mais évidemment, t'étais pas là. Iron Mac nous a filé une mission avec Schizo, je serai de retour au matin, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste savoir quand tu serais dispo pour qu'on aille réparer le transformateur. T'as hâte de pouvoir prendre une bonne douche chaude? On va dire ça comme ça. On sera de retour au matin. On parlera à ce moment-là. Terminé. Tu pensais que je serais à la bourre? J'ai fait un détour. Alors, elles étaient aux hommes de Mike? Mes hommes. Mais ouais. Torres et Evans. C'était pas des drifters, mais ils avaient déjà été dans No Man's Land. Je pensais qu'ils géraient. Apparemment, tu t'es planté. Elles ont déjà été désossées. Ces putains de charognards sont partout. Schizo, pourquoi vous avez pas récupéré leur bécane quand vous êtes revenu pour les chercher? Parce qu'il y avait trop de mutants. Voilà pourquoi. Comme cela. Mais encore plus nombreux. Viens. D'après Mike, les explosifs sont rangés dans des coffres de sécurité. Il doit y avoir un double des clés quelque part dans le bureau. Saloperie de tétard. Putain, je vais ces petits merdeux. Enfin d'accord sur un truc. Hé, hey, par ici. Si je te fais la courte échelle, tu devrais pouvoir monter sur le toit. Ouais. Allez, grimpe!
crois que je les ai eus. Ça va? Ouais, merci de t'en soucier. Et voilà. Schizo, je les ai. Super, super. Jette un œil, essaie de trouver les fumigènes. Attends, t'as pas ramené de lampe torche? Si, mais les piles sont mortes. C'est devenu dur d'en trouver dernièrement. Des plaines, en tout cas. Des fumigènes. Schizo, j'ai trouvé une boîte de fumigènes. Yes, essaye d'ouvrir la porte, pour que je vienne les prendre. Les fumigènes sont là. Ouais. File-moi les clés. Quoi, tu veux dire ces clés? Ouais, passe-les. Hé, hey, là, tout doux, j'ai une idée. Et si tu nous guidais jusqu'aux caisses? Je me charge de les ouvrir. Ça te pose un problème? Pas de soucis. Mais les perds pas. Ouais. Okay. Je tâcherai de m'en souvenir. Je les ai. Allez, on entre. Je te suis. Comme j'avais dit. Je pense qu'on doit pouvoir se faufiler par là. Donne-moi un coup de main. Soulève. J'essaye. Là, cale-la contre ce rocher. Ok. Voilà. Ça a l'air stable. Faudra bien. Oublie pas, pas touche à ton flingue. Je croyais que t'avais dit que la voie serait libre. J'ai jamais dit ça. Sérieux, s'il y a des mutants à l'intérieur, un seul coup de feu, on les aura tous sur le dos. C'est bon, j'avais compris. Putain. Bon, la première extension est juste après le conduit principal. Bien, c'est par là. Je te suis. Eh merde, on passera pas par là. Regarde le plan. Y a pas un autre tunnel, un conduit d'aération? D'après le plan, ils avaient commencé à creuser une galerie pour faire la jonction. Comme c'était instable, ils ont fini par la condamner. Où ça? Un peu en arrière. Bon. Ça a pas l'air super stable. C'est ce que je viens de dire. Moi, j'ai que ça. Vu que t'as la torche, passe le premier. Peut-être qu'ils avaient finalement une bonne raison de pas terminer cette extension. On dirait qu'on pourrait tout faire effondrer rien qu'avec un petit bâton de dynamite. Ça a pas l'air trop grave. T'es entier? Ouais, rien de cassé. Bordel. C'est pas passé loin. Ouais. Plus question de faire machine arrière maintenant. Viens. C'est par là. Qu'est-ce que tu fous?
À ton avis, je jette des fumigènes. Pourquoi faire? T'as le plan. Cet endroit est un putain de labyrinthe. Faut marquer les tunnels qu'on a visités. Viens ici. Quoi? C'est un des tiens. Ouais. Chaque fois que je voyais Torres, il portait toujours la même veste. Je lui avais dit, il serait buté en portant du orange fluo. Ça devait rien changer ici. Son pote a perdu un bras. Il s'est vidé de son sang. Torres a eu à manger pendant une semaine. Ça t'est déjà arrivé, toi? Il y a encore des limites que j'ai pas franchies. Ouais. Pareil. Recule. On les laisse pas embêtants. Allez, tirons-nous d'ici. Ouais. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Non, c'est pas par là. Viens, on peut se refiler par là. Je te suis. C'est un peu serré, hein. Tu t'en sors? Je reste pas à glander au camp, moi. Très drôle. Allez, viens. Ok, la première extension devrait se trouver après le coude. Si t'as bien lu le plan. J'ai bien lu le plan. Tu vois? T'as toujours les clés? Ouais, elles sont là. C'est vide, y'a que dalle. Merde. Sans déconner, tu me crois pas? Bien sûr que je te crois. Viens. Ils les ont peut-être rassemblés, les ont pas. Bordel de... On va voir l'autre. Par ici. Marche arrière. Faut vérifier qu'on a loupé aucun tunnel secondaire. Qu'est-ce que t'as fait tomber? Schizo, attends, attends. Il y a un truc qui cloche. Hein? De quoi tu parles? On n'est pas arrivé par là. Quoi? Tu crois que tes fumigènes ont bougé tout seul? Je me trompe peut-être. Hé, hey, attends une minute, putain. C'est le tunnel principal! Quoi? C'est le tunnel principal. Tu vois ces rails? On n'a suivi aucun rail à l'aller. Qu'est-ce que tu me chantes? C'est mes fumigènes, pourtant. Comment ils ont... Ah, putain, quelqu'un se paie de notre tronche. Viens, de ce côté. Minute, minute, attends une seconde. Bordel, qui est là? Montrez-vous! Sortez, putain! Schizo, range ça tout de suite. T'es con ou quoi? Je vais t'expliquer, débile. Tu tires un coup de feu ici. Un seul. Et tous les mutants qui se trouvent dans ces tunnels rappliqueront droit sur nous. T'avais pas dit que les tunnels seraient vides à cette heure de la nuit? Putain! Attention! Je peux pas voir! Putain! Mon Dieu, merde! Il a pris les clés! Mais merde! Où tu vas? Il a les clés! Faut le rattraper! Attends! Reviens! Putain, ce qu'ils ont, ils se tirent! Quel côté?
Oh, sale putain de merde, reviens ici! Allez, saleté, rends-moi cette putain de clé! Saleté, rends-moi ces putains de clés! Où t'es passé? Quoi ?
tout sera mis à cause de toi. Ah, merde. Ok, ok. Mais de quoi est-ce que tu parles? Elles seront vides. Mon cul, ouais. T'es prévenu de ce qui arrivait si tu te servais de ton flingue? J'étais censé faire quoi? Leur jeter des cailloux? T'étais censé ouvrir tes putains d'oreilles et m'écouter la prochaine fois? Essaie avec ça. Si tu veux. Y a pas de quoi. Et pourquoi? Pour t'avoir sauvé les miches. Si t'étais resté, j'aurais pas eu besoin qu'on m'aide. Bon, t'es prêt, on peut en finir? Ouais, je suis prêt. Par ici. À propos du bras de ton pote, d'après Adi, on dirait que quelqu'un a essayé de brûler ses tatouages. C'était les Reapers, hein? Où tu veux en venir, Schizo? Un drifter est passé. La nouvelle s'est répandue. Paraît que les Reapers cherchent deux mecs, des mongrels. Ça te dit quelque chose? Comme tu le vois, je porte toujours mon cuir. On se cache pas, Schizo. Si Carlos veut Boozer, il n'aura aucun mal à le trouver. Il devra d'abord me passer sur le corps.